Un sac contenant du peroxyde organique, une substance dangereuse, a été retrouvé sur une plage du nord des Pays-Bas. Le sac provient d'un des 270 conteneurs qui se sont détachés mardi soir du MSC Zoé. Une partie des conteneurs s'est échouée sur le rivage de l'île de Terschelling. La pollution de Terschelling s'étend sur une vingtaine de kilomètres. Cela signifie sur la plage, dans les dunes et dans la zone derrière les dunes. Le polystyrène et le plastique ont été soufflés par le vent et poussés dans la mer des Wadden et sur les côtes frisonnes. Trois conteneurs contenant des substances toxiques n'ont pas été retrouvés et auraient probablement coulé. Le sac de peroxyde organique a lui été retrouvé sur la plage de Shirmonikoug. Il s'agit d'un produit très inflammable dont la fumée peut être source d'irritation. Le ministère de la Défense néerlandais a annoncé l'arrivée prochaine de militaires pour aider au nettoyage des côtes.